L'environnement alerte à la disparition des tortues du Pacifique. C'est le gouvernement mexicain lui-même qui lance l'appel. Il évoque un massacre, celui des pêcheurs et des braconniers. Agnès Monteux, Michel Levasseur. Elles ont survécu à la disparition des dinosaures. Les tortues luttent, sillonnent tous les océans depuis 150 millions d'années. Une navigatrice hors pair qui peut parcourir des milliers de kilomètres en quelques mois. Mais aujourd'hui, cette géante de 500 kilos est menacée, surtout dans le Pacifique comme ici au Mexique. Premier piège en mer, les filets des pêcheurs. En berlificotés dans leur maille, les tortues meurent asphyxiées. Second piège, les braconniers, la nuit. Quand les femelles viennent pondre, toujours sur les plages des mers chaudes, elles sont vulnérables, faciles à tuer. Et dans la tortue, tout peut être vendu. Les œufs et la chair pour être mangée, la peau pour fabriquer des bottes ou des ceintures. 800 $ par bête, une aubaine dans un pays pauvre. Au Mexique, 9 tortues luttes sur 10 sont mortes. L'État a décidé de réagir. Le gouvernement mexicain protège ses 90% des zones de ponte par l'armée. Donc ça veut dire des gens armés et qui ne font pas de cadeaux aux braconniers. Le braconnage dans ces pays-là prend des allures, je dirais, de guerre économique. Les carapaces d'autres tortues finiront sous forme de peignes ou de bracelets. Au Mexique, toutes les tortues marines sont aujourd'hui en danger.